Il y a actuellement un événement mondial sur Diablo 4. Cependant, je l'ai remarqué un peu trop tard parce que déjà hier, donc samedi, il y a déjà eu deux événements mondiaux. Après, c'était exactement le même que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais j'ai pas pu vous prévenir plus tôt parce que je n'étais pas au courant. Par contre, il faut savoir qu'aujourd'hui à 9h du matin, donc dans une heure, vous avez la possibilité de refaire cet événement. Donc à 9h, si vous vous rendez au même emplacement que moi, il y aura l'événement de disponible. Alors cet événement s'appelle Ashava la Pestilentielle. Vous aurez comme récompense du loot, mais en plus vous aurez un trésor bonus hebdomadaire. Alors par contre, faites attention parce que ce boss est quand même très puissant et surtout à la fin, il peut carrément vous one-shot. Après, n'ayez pas peur parce que vous pouvez mourir en illimité. Cependant, si vous mourrez 10 fois d'affilée, vos équipements vont tout simplement se casser. Donc vous allez faire beaucoup moins de dégâts et vous aurez une moins bonne résistance. Parce que tout simplement, tous vos équipements seront cassés. Donc essayez de ne surtout pas mourir 10 fois parce qu'après, ben, vous serez un peu inoffensif. Et comme vous pouvez le voir sur le gameplay, je ne suis pas tout seul à le faire. Comme c'est un événement mondial, il y a plusieurs joueurs avec moi. Et c'est pas des potes que j'ai invités, c'est juste des joueurs random qui sont venus faire l'événement en même temps que moi. Alors bien entendu, plus vous allez être nombreux, plus je pense que vous allez facilement tuer le boss. Vous avez 15 minutes au total pour le tuer. Quand j'ai réussi à le tuer, il restait moins de 2 minutes. Donc voilà, faites quand même attention et essayez d'être très efficace pour ne pas louper cet événement. Dès que vous l'aurez tué, ben là vous aurez pas mal de récompenses légendaires, donc ça vaut vraiment le coup.